So the student was a sociologist, so he was mainly interested in the reason, in the social reasons why teachers used video games in their classroom. He didn't, il n'a pas interrogé beaucoup d'enseignants, just 5 of them. He had very big difficulties to find people who accepted to answer and who had the time to do it. This is a very big limit of this inquiry. And he tried to understand the factors that helped these teachers to integrate video games. One woman for men, very young people, they just finished, most of them just finished their studies, and they used Minecraft, 2 own created games, math games, and Journey on PS3. And most of the pupils were between 12 and 16 years old. He had 3 hypotheses. Is that these people had a very good experience of video games in their childhood as gamers. Second one, that they thought their students were very used to play video games and were part of a digital generations, and that they had a kind of incitative teaching style. What does that mean? An incitative teaching style is opposed to totally permissive style or purely transmissive, that is based only on the content that you want to transmit, the matter, or just purely associative. And this kind of style, you focus both on the learner and on the contents. So that was his hypothesis, that teacher who wanted to use video games were expecting learning relationship that would focus on autonomy of the learner. So that was his hypothesis. And some of the questions he asked these students, these teachers, sorry, during the interviews. And the result was that about teaching style, he didn't find his hypothesis wasn't verified. It doesn't seem to be a factor, because some teachers said they were usually transmissive teachers. They like transmissive ways of teaching. So he couldn't verify this hypothesis. And on the video game experience, these are the questions he asked to the teachers. And some other questions. And what did the teacher answer? Yes, they had a very good experience of game in their childhood, but most of them were no more gamers, or they didn't play very often, they didn't have time to play a lot, and they didn't consider themselves as experts of video games. About the teacher's representation of their students, the hypothesis was really verified. They considered them as digital native and video gamers. And so we discovered some interesting things, especially that now I will switch to French to be quicker, to be faster. Ils ont en fait eu une représentation un peu erronée de leurs étudiants, parce qu'après avoir fait les tests avec les jeux en classe, ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément quelque chose de magique d'utiliser un jeu vidéo. Ça n'intéressait pas forcément tous les étudiants, tous les élèves, du fait que c'était situé en contexte d'apprentissage. Donc ce n'était pas aussi simple que ça de se baser sur l'hypothèse que les étudiants sont, les élèves sont des joueurs et des digital natives pour que l'activité d'apprentissage avec les jeux vidéo fonctionne. Donc ça n'a pas forcément toujours fonctionné. Et puis le deuxième élément qui est ressorti, c'est qu'ils se sont rendus compte que leurs élèves n'avaient jamais appris à apprendre avec des jeux. Et c'était la première fois qu'ils utilisaient des jeux pour apprendre. Et que ça, c'était vraiment une nouveauté. Autre élément assez intéressant. Dans les questions faites dans les interviews, qui étaient assez longues, qui duraient plus d'une heure parfois, les enseignants avaient admis qu'eux-mêmes non plus n'avaient jamais utilisé auparavant des jeux pour apprendre quelque chose, même s'ils concédaient qu'ils avaient, en y réfléchissant, appris des procédures, des stratégies de raisonnement, de déduction et de problématisation. Mais au niveau des contenus, ils ne se souvenaient pas d'avoir eux-mêmes appris des contenus grâce à des jeux vidéo. Voilà. Et pour quelles raisons les enseignants ont intégré ces jeux dans leur pratique? Essentiellement pour résoudre des problèmes de motivation liés, par exemple, à des sujets difficiles ou qui leur semblent être peu intéressants.
pour les élèves ou parce qu'ils n'avaient pas de matériel pédagogique réellement adapté ou réellement motivant. Deuxième explication, selon eux, pour varier les outils pédagogiques, proposer quelque chose de nouveau et, dans un des cas, proposer une expérience plus immersive que la lecture d'un texte. Et puis, un dernier élément est apparu, assez intéressant aussi, c'est qu'une des raisons aussi de l'utilisation de ces jeux en classe, c'était un but presque, je dirais, militant. Certains voulaient prouver qu'il est possible de faire des choses intéressantes avec les jeux vidéo, notamment à leurs collègues d'autres générations, notamment. Voilà, c'est très rapide, je suis désolée. Si vous voulez lire les entretiens, je peux vous les passer, ils sont en français. Merci.